moments later. Coucou la famille, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo la dernière fois que j'ai. Du coup, sans plus tarder, let's go. Alors, en même temps que je serai en train de vous parler, je serai en train de faire ma skincare routine du soir. Du coup, on va passer à la première question. La dernière fois que tu as pris l'avion. Alors, la dernière fois que j'ai pris l'avion, c'était le 28 janvier 2018. J'étais en train de revenir du Sénégal. Voilà, j'ai quitté le Sénégal pour le Bénin. La dernière fois où tu t'es fait chouchouter. Là, je suis en train d'utiliser un masque de chez Garnier, donc c'est un gel désincrustant anti point noir, donc ça permet de désincruster les pores. Quand je parle de chouchouter, c'est genre je suis allée dans un spa, on a pris soin de moi et tout. C'est pas comme si genre c'est moi même qui prenais soin de moi en fait. Mais ça doit faire environ 2 mois, hein. Je suis partie dans un institut assez connu quand même dans Cotonou. Et je me suis fait faire un soin de visage, une pédicure, manicure et puis un massage. La dernière fois où tu as dit je t'aime, waouh, ça doit remonter à 2017. Ouais, ça doit remonter à 2017. Je pense que c'était en novembre, fin novembre 2017, voilà. C'était à mon ex, donc mon ex que vous connaissez bien. La dernière fois où j'ai fait l'amour, je pense que ça remonte à il y a environ 3 semaines. Ouais, je crois bien. Hein. On est dans la 3e semaine, non? Là, c'est une éponge végétale qui permet de faire un bon gommage. En fait, ça, c'est pour le corps. J'ai pas eu le temps de prendre pour le visage. Du coup, j'utilise pour le corps en même temps au niveau du visage. La dernière fois où j'ai pété un câble, je peux dire que je suis une go qui pète souvent des câbles. Mais la dernière fois, j'ai vraiment pété un câble et ça s'est fait ressentir. Ça fait un bon moment, hein? Ça fait un bon moment. Je crois que c'était la dernière fois. C'était en début d'année, je pense, avec un collègue. Un collègue qui me charriait. Et j'ai mal pris ça, en fait. Du coup, j'ai vraiment pété un câble, hein. J'ai fait une grosse scène, une scène de ouf. Et c'est parti en couille quoi. Donc là j'utilise une serviette en fait. Bon, un gant, voilà, sous forme de serviette pour nettoyer mon visage. La dernière fois que j'ai fait le ménage, je crois que ça doit faire 4 heures hein, que j'ai pas fait le ménage. Mais quand je veux dire ménage, grand ménage quoi, ça doit faire quelque chose de 24 heures. La dernière fois où tu t'es fait les ongles, ben je dirais aujourd'hui. Je me suis fait les ongles ce matin. En gros, vendredi, jeudi matin. Bref, j'ai préparé les ongles toute seule en fait. Genre, j'ai verni les ongles, j'ai laissé sécher pendant toute la nuit. Et le matin, je les ai juste posés. Voilà, moi je me prends pas la tête à faire de la résine et tout ça. Après le gommage Garnier, je vais poser un masque de chez Garnier. Donc c'est un masque tissu au charbon. Donc du coup, on continue la vidéo. La dernière fois où j'ai préparé un bon repas, ça remonte à janvier, hein? Ouais, ça doit aller dans janvier. Fin janvier, début février. J'étais en congé. C'était du steak avec des légumes et de la purée de pommes de terre. Franchement, ce jour-là, je me suis régalée de fou malade. C'était vraiment top. La dernière fois où j'ai passé une nuit blanche. La dernière fois où j'ai passé une nuit blanche, je peux dire que je passe généralement des nuits blanches. Hein. Je dors pas vite en fait. J'ai un gros problème d'insomnie. Et généralement, je dors vraiment vers 3h, 4h du matin. Alors que je suis censée me réveiller encore à 6h du matin. Du coup, j'ai un sommeil entrecouplé. Et ça fait que je dors au boulot à l'heure de la pause. Et je pense que c'est le fait de dormir au boulot, en fait, qui fait que je dors plus bien le soir. Bon, c'est un truc que je traîne depuis 2013, 2014.
Ouais, c'est un problème que j'ai depuis 2013-2014. Je n'arrive pas à avoir un sommeil assez rapide. Voilà, j'ai un sommeil entrecoupé, j'ai un sommeil vraiment difficile. La dernière fois où j'ai regardé un film, je pense que c'était Hitman and the Bodyguard 2. Donc c'était il y a 3 jours de ça. Voilà, j'ai téléchargé ça et je me suis regardé ça toute seule. Voilà. Wow. La dernière fois où j'étais amoureuse, je pense que ça remonte à 2014. Ouais, ça remonte à 2014. C'est la dernière fois où j'étais vraiment amoureuse. Je peux dire que je n'ai été amoureuse qu'une seule fois dans ma vie. Et c'était cette fois-là en fait. La dernière fois où tu as pris une douche, ben, tout à l'heure. Je me suis lavée juste tout à l'heure avant de commencer cette vidéo. La dernière fois où j'ai été à la plage, ça remonte à 2017 toujours, voilà. J'étais à la plage avec une copine. On s'est rendu à la plage de l'île de Gorée. Donc c'était au Sénégal, à Dakar. On est allé sur l'île de Gorée. On est allé à la plage. On a pris une paillote. On était en groupe. Ouais, on était en groupe. On n'était que des Béninois. C'était top, hein. La dernière fois où je suis allée chez le médecin. Ben, la dernière fois où je suis allée chez le médecin, c'était l'année dernière. J'ai vraiment eu un problème de transit digestif et tout ça. C'était vraiment compliqué. À chaque fois que je mangeais pimenté ou que je mangeais gras, je commençais à ressentir une douleur dans le dos. Et tant que je ne vomissais pas, je n'étais pas libérée. Donc c'était un problème que j'ai vraiment traîné, hein. Waouh, c'est un problème que j'ai grave traîné. Et ça m'arrivait généralement pendant la nuit, quand je dormais. Ça fait que je perturbais le sommeil de ma mère, je perturbais le sommeil de ma tante, je perturbais aussi mes collègues au travail parce que parfois ça m'arrivait au travail et du coup il fallait trouver un collègue pour me ramener à la maison parce que je pouvais ni m'asseoir, ni me courber, ni me coucher, ni rester à. Je ne pouvais pas adopter une position pendant plus de 5 minutes et c'était vraiment difficile. Après, on est allé à l'hôpital au bout de 3 à 4 crises, on est allé à l'hôpital. J'ai été visiter un médecin généraliste qui m'a renvoyé vers un gynécologue parce que c'était un truc digestif. Donc on a fait des échographies et tout ça. Après les échographies, on est revenu voir le médecin généraliste et tout et tout. Je suis rentrée à la maison, mais ça continuait toujours. Donc du coup après on a dû faire une sonde. Donc la sonde qui consistait à me mettre un tuyau dans le rectum pour pouvoir faire ressortir mes selles sous forme de liquide. Parce que j'ai, à cause de cette crise en fait, j'ai fait une semaine sans aller à la selle. Donc j'ai fait une semaine sans faire caca en fait. Je ne mangeais vraiment plus des choses vraiment solides ou grasses, sucrées, pimentées et tout ça. Je mangeais de façon normale. Je revoyais un peu mon alimentation, ce que je mettais dans mon assiette, mais je n'allais pas aux toilettes et je ne suis pas allée aux toilettes pendant une semaine. Et il a fallu me faire en fait forcément une sonde pour que je puisse aller aux toilettes. Franchement, j'ai fatigué tout le monde, mes collègues, ma soeur, surtout ma soeur, ma grande soeur, je vais taire son nom et tout ça, qui m'a emmenée à l'hôpital, qui a vraiment été là pour me soutenir et tout ça. Donc voilà la famille, là j'ai enlevé mon masque et je suis en train de répandre voilà, le gel en quelque sorte sur mon visage parce que c'est pas un masque qui se rince. Et pour finir, je vais mettre ce baume nourrissant à l'argan de chez Yves Rocher. J'avais grave envie de boire de l'eau. Franchement, la famille, ça fait du bien. Je suis essoufflée à force de parler, 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 parler devant la caméra et tout. Du coup, la famille, c'est la fin de cette vidéo. Ben, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Et aimez, aimez, likez, franchement, ça fait que YouTube recommande mes vidéos à d'autres personnes sur d'autres continents, pas seulement en Afrique en fait.
Donc du coup, merci pour le soutien, merci pour tout, merci d'être toujours là pour moi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.